Salut, c'est MegaDriver, c'est sur le jeu Star Wars Battlefront 2 avec un nouveau personnage qui est là depuis un petit moment mais que je vous propose aujourd'hui à savoir le Général Grievous comme on voit ici. Et on va pouvoir tout de suite le tester en arcade dans un petit scénario personnalisé, on va dire. Une bataille en équipe, Kamino avec les séparatistes. Les séparatistes qui attaquent le complexe de clonage de Kamino dans l'espoir d'arrêter la production de clones pour de bon. Voilà un endroit où effectivement le Général Grievous sera dans un contexte historique assez réaliste. Voilà, on lance avec ces personnages, avec ses caractéristiques donc. Kamino, on s'en rappelle, dans l'épisode 2, Obi-Wan Kenobi qui va inspecter sur une mystérieuse armée de clones faite à la demande de l'empereur. Le complexe de clonage, on va pouvoir aller chercher bien évidemment le Général Grievous puisque c'est avec lui. Il y aura bientôt plus de Jedi. Et nos droïdes là de combat qu'on va essayer de mettre fin à ce complexe de clonage. Alors là, il y a plusieurs aptitudes. On peut en regarder une. Avec ses sabres laser là. Un sabre laser dans chaque main. Il en jette. Tiens, voilà un ici. Trinité a perdu. A perdu davantage, mais on va essayer de reprendre. On peut essayer une nouvelle. Une nouvelle compétence, voilà. 40 soldats restants. Alors, il faut qu'on aille les trouver là. Où est-ce qu'ils sont dans le complexe de Kamino? Les voilà. On peut se transformer en petite araignée aussi. En voilà d'autres ici. On a pris davantage, mais il faudrait qu'on en retrouve. T'as les armées de clones, on les voit pas là. On a à nouveau perdu davantage. Où est-ce qu'ils sont? Les voilà. Là, il devrait y en avoir. Tiens, voilà des endroits où il y a des clones. Où il y avait en tout cas des clones. Là-bas, ça fight, on va pouvoir aller voir ce qui s'y passe. Vincent de la restant. À 10 éliminations restantes. Où est-ce qu'on pourrait trouver des soldats clones? Tiens, on va là par là-bas. Vous avez perdu.
Il est, on va le prendre. À revers celui-là. Et voilà. La victoire de Grievous et des séparatistes en 3 minutes 43. Sur un personnage assez lent quand même, mais très puissant. On va pouvoir retourner au menu, voir un petit peu, quand même pour cette vidéo, le contrôler une nouvelle fois, ce général Grievous. Allez, on se rechope une nouvelle carte. Camino, on a fait. Les séparatistes acides aussi. La capitale de Naboo. Il y en avait un autre qui m'avait l'air aussi intéressant, où on pouvait aussi être avec les séparatistes. C'est ici, en gare du palais. L'échec du blocus de Naboo a transformé ce monde idyllique en une puissance politique. Représentant de Naboo et Nobé, chancelier suprême de la République, Chief Palpatine, en réalité le Seigneur Sith, nourrit les conflits qui aboutirent à la guerre des clones et finit par concentrer tous les pouvoirs pour devenir un tyran plus connu sous le nom d'Empereur. Bah écoutez, ça me paraît pas mal. On va donc contrôler une nouvelle fois sur Naboo, au hangar du palais, notre général Grievous, personnage emblématique bien sûr de la série Star Wars, la première trilogie, en tout cas 1, 2, 3 bien sûr, pas la première dans chronologiquement, qui sont 4, 5, 6. Toujours le choix de nos personnages, mais on va rester sur notre général. Tiens, on pouvait équiper des cartes d'ailleurs pour lui donner des compétences supplémentaires. On peut prendre celle-là. La taillade mortelle aussi, c'est pas mal. Une victime après l'autre. Rage du cyborg. Tiens, ça c'est pas mal. Voilà pour ses compétences. Et on peut y aller. Dans ce hangar, on reconnaît. On reconnaît les véhicules typiques de Naboo. Ah ben les voilà. On peut parer aussi, hein. Comme un Jedi normal. Voilà, ça nous permet d'aller plus vite. Comme dans les films. Tiens, là, il y en aurait, là. Il y en aurait par là, là, hein, qui arrive. Alors, il en reste que 18. Ah là, il y a 4. Il y a 4 sabres, là, ça fait mal. Hein. Quand il fait ses hélicos. Ah là, graphiquement, ici, c'est sympa. Hein. Bon,
Bon, on va revenir au combat, on voit là devant en plus. On y va en araignée. Il en reste plus que 9. Où est-ce que ça fight bien là? Tiens, par ici. Eh ben c'est nous qui allons nous les faire dans ça là. Il en reste plus que 2. Bon, je crois que mes druides séparatistes vont s'en occuper. Et voilà. Et voilà pour notre victoire avec Grievous, encore plus rapide que la précédente. En tout cas, ça nous a permis de contrôler un petit peu ce général. Avec toute sa batterie de capacités spéciales intéressantes. Et je sais qu'un nouveau personnage a été débloqué, c'est Général Kenobi. Ce qu'il y a, c'est que là, il faut 35 000 points, j'en ai que 4 000 pour y aller. Ne jouant pas en multijoueur, c'est un petit peu chaud d'aller les débloquer. C'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais bon. En tout cas, j'aimerais bien, à l'occasion, pouvoir vous présenter le Général Kenobi. Mais tout ça, ce sera peut-être un petit peu plus tard, quand j'aurai réussi à récupérer des points suffisants. D'ailleurs, on en parle, le voilà, il est présent à l'image, et j'espère pouvoir vous proposer une vidéo un jour avec ce super personnage, bien sûr. À plus tard. Vous ne manquez pas d'audace. Écrasez-les, faites-les souffrir.